Allô. Allô, allô. Si je mets quoi. Alors. Ça va, on n'entend pas la musique. Moi je l'entends, mais. On l'entend pas. Alors, on va passer sur le. La webcam si je fais ça. Paf. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Est-ce que ça va bien? Petite musique tranquille ou bilou. Donc. Il est là. Il est là. On va monter le Nintendo Labo. Ok. Ma Switch. Comment ça va? Comment ça va-t-il bien ce soir? Donc, vous aurez peut-être remarqué, j'ai changé un petit peu de truc, j'ai fini la déco, ça y est. J'ai mis des posters en plus là, j'ai mis des petites cartes à côté, j'ai enlevé le poster FF15, j'ai mis le poster Drakengard 3, enfin Drakengard de manière générale. Il y a même une perso de Nier dessus. C'est classe. Donc, la Switch. La Switch, la voilà. Et ça va pas arrêter de faire la mise au point. Mais bon, au moins, voilà, comme ça, ça restera toujours net, même quand je serai là-bas. Alors, donc, ce qu'on va faire. Alors, mettre le micro là pour l'instant. Je pose la Switch. Alors, faut pas que j'oublie aussi de tweeter pour dire hey, salut. On est en live actuellement. Très bien que tu passes, tu vois, tu laisses un petit like, hop, Twitch, on m'entend, hein, on est d'accord, tu vois bien. Ah, il y a Zerator qui stream, incroyable. Et j'arrive après tout le monde pour le Nintendo Labo, parce que voilà, et mon déménagement et tout, j'arrive, le truc est sorti depuis 3 semaines, tu vois. On va partir. Ouais. Hop. Tac. Oui, t'inquiète, on t'entend. Ok. Alors. Donc. On voit ça. Alors. Je vais rapprochationner le micro. Voilà. Donc. En espérant que le micro ne se casse pas la gueule. Voilà. Petit fil qui traîne. Alors. On va mettre le fauteuil là pour pas qu'il vienne. Donc. Nous avons le Nintendo Labo. Oui, j'ai vu, bah, j'étais en train de le hoster juste avant. J'étais en train de le hoster. Le truc, c'est que j'avais prévu de le faire ce soir, l'ouverture de Nintendo Labo. J'avais pas forcément... j'aurais peut-être dû prévenir un peu avant. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? La boîte, c'est très simple. Alors, putain, j'ai un petit peu. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Dans la boîte, c'est très simple. Nous avons, donc... Bien évidemment, le jeu Nintendo Labo. Oui, des cartons. Bah oui, des cartons. Des cartons, parce que c'est le but du Nintendo Labo. Alors, on va ouvrir ce petit jeu. Tac. Ouais, on va mettre le plastique là. Donc, sachez par contre que, alors, en ce qui concerne les jeux du Nintendo Labo, chaque boîte est vendue avec son propre Nintendo Labo. Son propre Nintendo Labo, puisque là vous voyez, hop, c'est le Toy-Con 2 avec le robot dessiné dessus. Parce que chaque, c'est vraiment une carte, c'est pas en fait le même jeu qui est dans les deux boîtes, c'est vraiment un jeu différent dans chaque boîte. Donc je vais allumer ma Switch, nous allons avoir besoin de l'utiliser bien évidemment. Alors, j'ai pas de jeu en cours, il y a Arms qui est dedans, on va l'enlever et on va mettre Nintendo Labo. Hop. On voit le petit icône Nintendo Labo qui est apparu. Je ne vais pas vous mettre le retour. Bonsoir Razora. Je vais pas vous mettre le retour du jeu sur l'écran, puisqu'en fait je vais avoir besoin d'utiliser en direct pendant que je monte la Switch. Donc déjà on va lancer. Ah, il y a une mise à jour. Télécharger, est-ce que je suis connecté? Paramètres internet, ah oui. Alors je connecte ma Switch à internet ici, parce que comme j'ai déménagé, je n'ai pas encore connecté ma Switch ici. Alors, je retrouve
Normalement, j'ai dû l'enregistrer quelque part. La fameuse mage. Alors. Téléchargement. J'ai fumé ça. Mais c'est pas du tout où est-ce que j'ai mis ça. Bon, sinon le code il est en dessous de la box. Pour le retrouver c'est très simple, je me connecte. Mon wifi, voilà, la code d'accès elle est là. Donc... El famoso mage, nouveau jeu Nintendo. Ah non, 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 elles seront pas payantes, faut pas déconner non plus. Donc. Et pour ceux qui se demandent quelles sont les musiques qui passent derrière, c'est une playlist de Twitch qu'il y a sur Spotify, qui est une playlist chiptune. C'est bon, on est connecté. J'espère que la mise à jour est pas trop longue. Bon, ça va. Encore une minute. Ah. La petite musique de Mario 64. Ah oui, oui, Razora, oui, tu ne savais pas, j'ai déménagé, du coup, je suis passé en 720p. Du coup, je... Parce que maintenant, j'ai la fibre ici. Alors, on va démarrer avec Paxel. Démarrons. Pour qu'on nous explique comment on va monter tout ça. Alors... Nintendo Labo utilise les fonctions vibration HD des Joy-Con indépendamment des paramètres de la console et du logiciel. Voilà, je vais vous montrer quand même ce qui se passe. Donc alors, les manettes vont être mises à jour. Il y a une mise à jour des manettes. Je ne savais pas du tout ça. Donc là, il est en train de mettre à jour le Joy-Con bleu. Et là, il met à jour le Joy-Con rouge. C'est pas du tout ce que ça va faire. Je ne sais pas du tout. Alors. Petit truc pour pouvoir poser la console. Ils sont bien ces petits mix. Si tu mets pas à jour la manette pro, tu peux pas l'utiliser sur PC. Ah oui, oui, c'est ce que j'ai vu, ouais. Donc, commence. Alors, je vais juste couper la musique. Voilà. Donc, vous avez. Commençons par construire. Soit vous voulez construire, jouer ou découvrir. On va construire. Je sais pas si vous allez entendre la musique, en fait vous allez peut-être l'entendre que quand je parle. Je vais désactiver le filtre. Ah non mais je vais être incroyable. Je vais être incroyable. Hop, le noise gate est désactivé donc vous devriez entendre la musique normalement. Alors, d'abord un peu d'entraînement. Donc on va nous demander de construire un premier truc pour apprendre comment ça marche. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il a fourni dans la boîte? Vous avez un petit sachet. Là, je précise, c'est le robot que je monte. Donc, vous avez un petit sachet avec différentes choses. Alors, on va ranger le plumard. Hop. Donc, vous avez
des petits trucs réfléchissants qui vont servir pour les trucs infrarouges. Donc ça c'est important. Vous avez des ficelles, donc on a des ficelles bleues assez longues. Tac. Vous avez ficelles orange, enfin rouge c'est selon. Donc les trucs réfléchissants. On a aussi plein de petits bidules ici, là des petits trucs et tout qui va falloir mettre à droite à gauche. Et on a des sangles. Ici voilà, une sangle, deux, trois. Et une grande sangle, la quatrième. Voilà. Donc, alors, getting started. Pour commencer, construisez le Toy-Con, jouez à tous les jeux, à toutes sortes de jeux et découvrez un nouveau monde. Ce logiciel vous montrera la marche à suivre. Alors, j'ai juste décalé le micro pour qu'on puisse voir quand je m'exprime. Voilà. Donc, ah oui, alors, 3 heures de montage, non. Je crois pas parce qu'il y a marqué quoi? Il y a marqué... Ouais, si. Alors, pour le robot, ils disent entre 180 et 240 minutes. Donc ça va être du pur bonheur. Alors, je prends mon petit truc ici pour poser ma Switch. On va décaler l'écran. Voilà. Hop. À même mettre comme ça. Voilà, parfait. Comme ça, j'ai ma Switch qui est posée et je peux consulter en direct. Alors, d'abord un peu d'entraînement. Donc, qu'est-ce qu'ils me disent? Toi, tu vas jarter. Alors, bienvenue au labo. Je vais essayer de... vous le montrer en même temps. Je vais dégager mon sac. Je sais pas si ça va se voir. Alors, bienvenue au labo. Donc, entraînons le monde d'abord à construire. Maintenez suite pour avancer. Voilà. Donc, fabriquons l'étui. Voilà. Là, ici, on vous montre le premier truc. Donc, ça va être cet élément-là qu'il va falloir monter. Donc, fabriquons l'étui Joy-Con. L'étui Joy-Con que vous voyez juste là. Voilà, il va falloir qu'on fabrique ça. Maintenez suite pour avancer. Bon, je maintiens suite. Voilà. Donc, il vous montre, c'est la partie qui est ici. Sur notre truc. Donc, alors. Il va falloir qu'on le retrouve. Donc c'est... Alors, ça. Ça c'est juste pour placer les trucs. Voilà, il vous explique. Donc, enlevez le logiciel. C'est marqué, voilà, sortez le logiciel. Démarrez-le. Et construisez en suivant les instructions. Très bien. Donc, la planche numéro A. Avec le petit... La petite ici ampoule, donc ça c'est notre première planche. Et nous on va utiliser donc cette partie là, cette partie qui est là, pour s'entraîner et faire l'étui à Joy-Con. Alors, suite, donc détachez cette pièce de la planche avec un point, une ampoule et A. Par contre je pense que je vais désactiver les musiques du jeu parce que je crois pas qu'il y ait de voix. Et je vais remettre la musique, je sais pas ce que vous en pensez, ça peut être pas mal. Voilà. Hop. Donc, on va détacher cette partie-là. Hop. Détache le carton. Alors. Ah. C'est mon premier carton. Voilà. J'ai ce petit truc-là. Donc, je maintiens suite. Alors. Avec délicatesse pour ne pas plier. Bon. C'est pas plié. Tout va bien. Maintenez suite. Relâchez le bouton pour mettre la vidéo en pause. Donc alors, vous utilisez les pièces restantes plus tard, alors conservez bien dans la boîte. Donc là, on les pose. Suite. Bon, ça, c'est plutôt bien essayé. Laissez votre console en charge pendant que vous construisez le Toy-Con. Branchez adaptateur secteur. Donc, on va faire ça. Je vais choper l'adaptateur secteur de ma console. On va se mettre dans l'autre sens.
Alors. Tac, c'est pour ça aussi que j'ai ce truc là, c'est que ça permet de. Voilà. Donc elle est en charge. Très bien. Et donc avec le stick et la. Le. Comment ? Les doigts, je vais pouvoir. Oula, pas que je le pète. Je vais pouvoir déplacer la caméra pour mieux voir ce qu'on me demande de construire. Alors, passez le doigt sur l'écran et faites-le glisser pour déplacer la caméra. Je vous montre quand même, histoire que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, vous avez à chaque fois les éléments ici. Et vous pouvez tourner pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Touchez l'écran avec les deux doigts et là tu peux zoomer, tu peux t'éloigner, etc. Et si tu fais hop, tu peux déplacer comme ça. Voilà. Vous pouvez réinitialiser la caméra en touchant l'icône en bas à gauche. Tac, fantastique. Alors, et maintenant, fabriquons. Alors, fabriquons. Vérifiez bien l'image à l'écran à chaque étape. Hop. Donc c'est dommage parce que comme on utilise l'écran tel quel, je vais pas forcément pouvoir vous montrer en direct ce qu'il y a sur l'écran, mais on va monter ensemble ici. Alors, fabriquons l'image à l'écran, chaque étape, vous assurez de ne pas faire d'erreur. Très bien. Attention, le rito et le verso sont différents. Orienter la face imprimée vers le bas. Donc, face imprimée vers le bas. Tac. Face imprimée vers le bas, comme ceci. Donc, le secret pour réussir son token, faire des plis bien nets en appuyant fermement sur les lignes de pliage. N'en ratez aucune. Alors, par contre, il faut que j'enlève le petit truc ici. Pour suivre, comme sur le schéma, vous avez des petits orifices ici qu'il va falloir percer. Normalement, il y en a un là. Et il y a celui qui est juste là. Voilà, comme ça. Vous voyez, hop. À un moment, j'irai plus vite, mais là, c'est au début, je vous explique un petit peu comment ça marche. Donc, n'en ratez aucune. Alors, hop. D'abord, il plie comme ça. Tac. Assurez-vous toujours bien marquer les plis. Comme ça, j'en serai que plus facile. Clac. Donc ça, c'est plié. Si vous pliez bien le carton, la partie pliée deviendra toute seule. Ne vous inquiétez pas si elle n'est pas complètement droite. Donc là, ça tient. Après, bon, c'est quand même bien expliqué, ça, on peut dire. Alors, ensuite, on va prendre toute cette partie-là et on va la plier pareil. Hop. Clac. Tac, on remet, on replie ici aussi. Et on va faire pareil avec la dernière partie qui est juste là. Voilà. Comme ça, ça va bien pouvoir se plier comme ça. Après, ça arrive du carton, c'est quand même relativement logique, c'est d'être déjà fait du papercraft, des trucs comme ça. Normalement, c'est assez, assez évident. Voilà. La petite languette. Sans languette, impossible de construire un toycon, donc prenez-en bien soin. Tac. Et on va la glisser comme ceci. Vous voyez, on commence déjà à avoir quelque chose. Hop. Clac. Est inséré jusqu'au bout, regardez. Tac. On va replier. Et on va ici insérer la deuxième languette. Et voilà le travail. Tac. On a notre petit étui en carton. Avec le super boulot de switch, vous voyez juste là. Tac, petit étui en carton dans lequel on va pouvoir ranger son Joy-Con. Voilà, bon après il montre, mais ça j'avais plus ou moins compris comment ça marchait. Tac, l'étui Joy-Con est terminé. Voilà, Joy-Con droit sous la main. Donc le Joy-Con droit c'est le Joy-Con gauche. Et on va l'insérer comme ceci. Voilà, hop, de manière à ce que le bouton soit accessible derrière, ici, et que voilà, normalement ça épouse parfaitement la forme du Joy-Con. Très bien, on a donc notre étui qui est fait, c'est parfait. Ensuite,
Assurez-vous d'insérer le Joy-Con jusqu'au fond. Vous voyez le bouton pour le, dans le trou au dos. Voilà. Ok. Faut que le bouton ressorte en fait dans le trou. Ok. Maintenant, on va commencer pour de vrai. 3, 2, 1. C'est parti. Alors, je vous montre quand même, mais il y a des petites animations du feu de Dieu, genre le Toy-Con qui décolle et tout. Voilà. Donc là, on va pouvoir commencer la construction du robot. Le robot, c'est ce que vous attendiez depuis le début. Et je vais enlever le Joy-Con gauche. Voilà, les deux Joy-Con, on va les mettre ici. Et on va commencer la construction du robot. Allez, c'est parti. Par contre, une fois que le robot sera monté, évidemment... salut, t'es parti. Salut, Thibaut. En fait, j'ai que le robot. Donc on va monter uniquement le robot, parce qu'il n'y a que le robot dans le pack que j'ai. Et on a monté pour l'instant ceci, donc il y a un petit étui, ça c'est pour s'entraîner. Un petit étui à Joy-Con. Voilà. Ça va, les cartons sont stock ou c'est du cheap? Non, franchement c'est quand même, tu vois, il y a une petite épaisseur quand même, c'est pas dégueu quoi, ça tient bien, c'est pas du carton souple. C'est vraiment du carton un petit peu... voilà. T'as même les petits... Je sais pas si on voit ici... Il y a marqué les références comme si c'était un jeu ou une console, tu vois. Alors... Ça cartonne, merci Zephyr. Alors, le kit robot, le robot Toy-Con. Donc... Là, il nous montre en accéléré ce que ça... Vous allez voir, ils vont vous montrer en accéléré ce que c'est censé donner. Donc, le kit robot. Hop, on va venir, voilà. Hop, attention. Voilà, on va faire tout ça. Et à la fin, c'est censé donner ça. C'est génial, hein? Mais non, je vais pas finir à 3h du mat, finir à 1h du mat, un truc comme ça peut-être. Alors, après, ils disent le temps qu'ils mettent. Le temps le plus élevé, c'est pour, on va dire, un enfant tout seul. Et là, je suis un adulte. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Alors, suite. Donc, nous allons procéder en 8 étapes. Donc, d'abord, alors, les étapes sont les suivantes. Vous avez d'abord le montage du masque. Ensuite, vous avez le petit module ici. Vous avez le gros carton, les sangles. Ensuite, ça va être quoi? Ça va être les poignets. Ici, ensuite les trucs que vous mettez au pied, le sac et après l'assemblage complet. Hop. Tournez bien. Donc, continuons. Alors, munissez-vous du sachet en plastique. Moi, je parie plus sur un bon gros 2h du matin. C'est possible. Alors, ils disent de se munir des différents... comment dire ? Du sac qu'on avait tout à l'heure, le petit sachet, donc avec tout ce que j'ai éparpillé à droite à gauche, donc tout ce qui est là, les ficelles, les petits ustensiles. Alors, est-ce qu'on voit bien à la caméra? Parce que bon, là c'est en 720, je sais pas si en... Peut-être s'il aurait fallu en 1080 à la limite, mais bon. Les petits trucs réfléchissants, voilà. Tout est là. Alors, munissez-vous du sachet contenant les pièces spéciales. Ne l'ouvrez pas tout de suite. J'ai fait une bêtise. Le son, c'est une playlist. C'est une playlist sur Spotify. Attends, la musique me parle. C'est une musique de Castlevania, c'est un remix. C'est un remix chiptune d'une musique du premier Castlevania. Si je zoome un petit peu, alors on va faire ça. On va zoomer un poil. Voilà, est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà, un petit peu zoomé, c'est mieux. Donc, suite. Donc, étape 1 sur 8, commencez par la visière. Donc, il nous faut nous munir de la planche. Donc, cette planche-là, on va la mettre de côté, on n'en a pas besoin. Hop, ça, je mets par terre. Ça, cette planche-là, on va la mettre par terre. Alors, on a besoin de la planche A, cette planche-ci. Et de la planche B.
Donc les deux premières planches. Tac. Alors, je vais juste ranger les fils dans le sachet parce que sinon ça va être l'enfer. Pour éviter que ça parte partout. Tac. Le problème avec le carton, c'est que ça peut couper et ça, je déteste ça parce que je me coupe souvent avec le carton. Donc, d'abord sur la planche A. Oui, le délai est encore plus court qu'à Marley, ouais. C'est... Et puis en plus, il y a un nouveau truc sur Twitch justement qui permet de réduire encore plus le délai que j'ai activé. Enfin, je sais pas si c'est sur Twitch ou si c'est sur mon logiciel, mais je l'ai activé donc c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est encore plus court. Donc, c'est pas instantané mais quasiment. Donc détacher les deux pièces qui est marquées. Donc les deux pièces marquées A. Donc j'ai une première pièce juste là. Alors délicatement pour éviter de péter. Donc première pièce que je mets juste ici. Ça on va mettre là. Et la deuxième pièce qui est celle-ci. J'adore ce petit moment, tu sais, où tu ouvres le carton. Ça s'enlève tout seul, donc à mon avis c'est pas très grave si je l'ai déjà enlevé. J'ai peur de péter les trucs, c'est un truc de... Putain, tu te dis, des gamins, les gamins, faut vraiment qu'ils soient minutieux. Et là, vous voyez, il y a les formes, donc il doit y avoir moyen de refaire plus tard si jamais ça se pète, etc. Ce que j'espère surtout, c'est que Nintendo bon, certainement ils vont le vendre. Alors, tu m'expliques ça un autre jour. De quoi le... J'ai pas compris que je t'explique ça un autre jour. Ah oui, le truc que j'ai activé. Ouais, c'était sur mon dashboard sur Twitch. Ils m'ont proposé d'activer. C'était le latence réduite, mais c'est un truc en bêta. Ce que je disais, c'est que j'espère que Nintendo, ils pourront fournir des planches en plus. Soit que tu pourras acheter, soit que tu pourras te fournir de quelconque façon. Mais j'espère qu'ils feront ça, parce que les gamins qui vont, imaginons, ils pètent leur truc ou quoi, c'est du carton, tu le transportes et tout, il y a moyen que ça parte en couille. Alors, suite, donc on a le A. En cas de difficulté, vous pouvez revenir en arrière avec retour. Donc, on va commencer par cette pièce-là. Donc, on va faire en sorte qu'elle ressemble. Donc, on va enlever les petits morceaux qui partent tout seuls. Donc, vous avez ça. Le truc au niveau. Donc, les parties ici qu'on voit au travers. Tac. Parce que je sais pas si vous voyez, il y a des petites parties là qu'on voit qui s'enlèvent toutes seules. Donc, on va les retirer. Et ce qui vient, c'est que tout ça, c'est recyclable. Donc il faudra que je fasse en sorte de le mettre au recyclage. Parce que voilà, Nintendo a pensé au recyclage. Nintendo pense à la planète, tel un bon film de Miyazaki. Donc vous aussi, pensez à la planète, c'est important. Voilà. Donc je pense qu'on est bon. Ça me paraît bien. Alors, commencez, prenez la pièce avec le logo de labo. Assurez-vous toujours que les pièces sont dans le bon sens. Donc, on la retourne. Alors, le secret pour réussir Toy-Con, ouais, voilà. Hop. Donc, on va plier comme ceci. Ensuite, on va plier la deuxième partie. Tac. Et on va plier la petite quéquette qui est là. Voilà. On est d'accord. Ça en haut là, ça c'est un zizi. Hein, on est d'accord. Bon. Le zizi. Je vais te le donner. Oui. Tac. Hop. Ensuite. Donc, on plie ensuite cette partie là. Tac.
Ça me fait flipper leur pli quand même. Ah, et on va imbriquer comme ça. Tac, on va faire passer. Alors, je viens que tu tournes. Donc, ici. Hop. Et on va faire passer ça là. Voilà. Comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'on peut tourner. Vous allez me voir souvent tirer la langue, hein, par contre, hein, je vous le dis. Parce que moi, quand je suis en train de monter des trucs, que je me concentre, je tire la langue. Et voilà. On a notre petite partie qui est construite. Voilà. Hop. Avec le petit logo de Nintendo Labo. Hop, on imbrique. Tac. Ouais, les trucs, l'avantage, c'est que tu peux passer interrompre. Bon, ça, c'est fait. On garde de côté maintenant. Cette partie-là. Alors, il faut que j'enlève. Tac. Tac. Musique de Zelda, vous-même vous reconnaissez. Tac. Tac. Hop. Voilà. Donc, là maintenant, on va plier comme ceci. Alors, il y a un tout petit tour là ici. Voilà. Hop, pour que ce soit bien en face. Pas tout à fait en face leur truc, mais c'est pas grave. Ah, c'est normal. Alors, il est temps de faire connaissance avec les œillets. La partie gauche est la partie mâle, et celle de droite est la partie femelle. Alors, les œillets, c'est les trucs qu'il y a dans le petit sachet que vous avez. Juste ici, petit sachet là. Donc ça, ils appellent ça des œillets. Donc, la partie mâle, forcément, c'est celle qui va s'emboîter dans l'autre. Donc là, ils m'en montrent une orange. Donc, on a une partie mâle et on va avoir une partie femelle. Voilà, la mâle, c'est celle-ci. La femelle, c'est la plate. Très bien. Donc, c'est bien, ils y vont par étapes et tout. Franchement, pour le coup, c'est bien fait. Alors, tac. Donc, on va insérer ici la partie mâle, comme ceci. Ah, d'accord. Donc, on va prendre ici, tac, on emboîte les deux parties. Très bien. On rabat comme ceci. Les deux ensemble. Ah non, c'est fait exprès que ce soit pas en face en fait. Je viens de me rendre compte d'un truc. Tac, on rabat. Tac, ici. On relève des deux côtés. Ah oui, parce qu'après quand tu relèves, c'est en face. D'accord. Hop. Et en fait, ça va venir se clipser comme ceci. Voilà. C'est clipsé. Parfait. Ça tient. Ça tient tout seul. Je vous montre. Voilà. Première partie. Et comme ça, en fait, ça va permettre de coulisser. Vous voyez? Ça coulisse tout seul. Et ça, ça va être au niveau du masque. Vous allez avoir, tac, comme ça vous allez pouvoir remonter la visière. Très bien. Hop, là tu fais clic. Voilà. Si vous avez monté un œillet à l'envers, demandez à un adulte de le défaire. Demandez à un adulte, hein, de le défaire avec une pièce de monnaie assez fine. Ok, voilà. Côté droit de la visière, c'est fait. Maintenant, donc, hop. Ici, on va prendre, donc c'est sur la planche A, donc celle du bas, il va falloir qu'on enlève cette partie-ci. C'est bien parce que tout est indiqué, il y a bien le gauche-droite, tout ça. Ça, c'est quand même bien fait. Hop, on enlève la partie. I need an adult. Les adultes, c'est nul. Hop, suivant.
Donc, on va enlever toute la partie au milieu. On va garder ce petit truc là, parce que je suis sûr que ça peut servir en vrai. Ils doivent s'en servir, c'est pour faire des pochoirs ou des trucs comme ça. Donc, on va enlever les petites lignes de fuite. Hop. Donc. Alors, suite. Donc d'abord on plie ça. Tac. Ensuite, le droite. Par contre c'est chiant de devoir laisser appuyer. Tu puisses pas faire play pause, tu vois. Ensuite, une fois que ça c'est fait. Ah oui, il faut que j'enlève le petit truc ici. Parce qu'en fait le truc c'est quand tu regardes le tuto, il faut que tu restes toujours appuyé pour pouvoir avancer dans le tuto. Donc c'est un peu contraignant ça. Tac, donc là ici on plie comme ça parce que du coup tu peux pas plier et en même temps ça, enfin faudrait être à deux en fait pour le truc, tu vois. Ensuite tu rabats ça. Très bien. Ah, et on va venir imbriquer justement la partie droite. La partie droite qui va se mettre ici et qu'on va venir glisser comme ceci. Ah oui, d'accord, non, c'est même plus simple que ce que je pensais. En fait ils viennent, c'est à dire que ça on fait ça, eux ils viennent glisser vers le bas. Ils viennent le glisser, tac. Ça tu mets là. Ah d'accord. Ok. Donc ça, on le fait comme ça. Ça ici, tac. Et là on vient mettre là. Bah comme tu plies des cartons quoi, tout simplement. Hop. Et ça s'imbrique. Et ça tient. Incroyable. Voilà, tu clipses, tu reclipses. Et ça tient tout seul. Parfait. Voilà, notre visière. On a fait le côté gauche et regardez, regardez. Waouh! Ça bouge tout seul. Hop. Ça commence à prendre forme. Et là, on est qu'à la partie. À la partie 1. On n'a même pas fini la partie 1. Hop. Donc ça, je mets ça de côté. Ensuite, sur la planche A. Sur la planche A, il faut qu'on enlève ça. Et le truc en bas. Ouais, bon, faut qu'on enlève tout en fait, c'est ça que t'es en train de me dire. Ah, mon schéma est vide. Je suis dans un cadre. Mon schéma, il est vide. J'ai tout enlevé. Alors, 02B1VTO, il y a marqué dessus. Bon, on va ranger ça dans la boîte. Donc... Et sur la forme B, il faut qu'on enlève ça. Le côté gauche, tout simplement. Hop. Et l'espèce de animal bizarre qu'il y a là. Enfin, ça, c'est pas un animal, mais ça fait une forme d'animal. Alors, c'est tout con hein, comme sentiment, mais le truc où t'enlèves les cartons comme ça, c'est tellement jouissif. Salut Twinkle, bonsoir à toi. Bonsoir à toi. Voilà, donc on a enlevé ces parties-là. Il nous reste encore deux parties sur côté. Alors, suivant. Détacher ces 5 pièces des planches A et B. Perdez pas la petite en forme de donut. Donc celle-là, faut pas la perdre. C'est important. Alors,
tour du côté gauche. Donc le côté, alors ça, tac, on le met de côté. C'est toujours mon Joy-Con qui est allumé. Hop. Je vais bien rebrancher ma console. Ça, c'est un coup à ce qu'elle... Voilà, 83% de batterie. Ça devrait faire. Donc, alors, la partie gauche qui porte la marque avec le Joy-Con. Donc, on la met à l'envers. Alors, on n'oublie pas d'enlever les petites parties. Comment ça va, Twinkle? Qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Est-ce que tu as passé un bon week-end? Poké, non! On ne renomme pas ce soir. Il n'y a pas de rename. À moins que tu veux rename le Nintendo Labo, mais... Ça va pas être possible malheureusement. Donc là, il va falloir faire pareil. On plie. Alors, tac. On plie le zizi et on replie ici. Voilà. Hop. Voilà, une fois que c'est fait, tac. Donc, l'animal. Tac, ça, il faut qu'on enlève les petits morceaux à chaque fois. J'ai 30 milliards de petits bouts qui traînent. Non, c'est pas le nom de ma sextape. Bof le week-end. Ah, oh, dommage. T'as eu des petits problèmes. Ah, merci pour le follow. Je graille un couscous. Bonsoir à toi et bienvenue sur le stream. On est en train de monter le Nintendo Labo. Nintendo Labo robot pour être précis. Ça a été fait en Europe quand même. C'est à signaler, c'est que tous les cartons là, il y a marqué Made in EU dessus. Enfin, made in the EU. Donc c'est-à-dire que ça a été fait en Europe, déjà c'est bien. Ça évite d'avoir encore des trucs made in China. Maintenant on retourne et on va imbriquer ça dessus. Comme ceci. On va les mettre l'un sur l'autre. Et on va les rabattre. Tac, afin de mettre le zizi à l'intérieur. Ah, j'ai fait un pli sur un truc que j'aurais pas dû. Vas-y. Si, c'est bon. Si, c'est bon. Tout va bien, je n'ai pas plié un truc que j'aurais pas dû. De toute façon, si j'avais pas pu plier, il aurait fallu que je force et tout, ça aurait pas marché. Ah oui, des trucs... Mais si, quand j'ai plié le zizi, c'est un petit zizi, vous savez le truc que je vous ai montré tout à l'heure. Regardez, je vous le montre sur la... Je vous le montre sur la Switch, vous allez voir. C'est un zizi, hein, c'est un zizi. Alors, regardez, il trône fièrement ce petit zizi. Regardez, en plus il a le gland qui brille. Les enfants qui regardaient ce stream pour regarder du Nintendo Labo, partez, il est encore temps. Alors, donc le zizi, il est rentré. Tac. Ensuite, on retourne. Ah, la pièce, c'est celle-là. Alors, on enlève les petits trucs. Tac. Hop. 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 Il va y avoir encore des œillets à utiliser. Touc. Alors, je demande, est-ce qu'il y a des gens qui ont bien reçu la notif sur Twitter quand je suis arrivé en live? Enfin, je l'ai posté moi-même, mais est-ce que les gens ont bien reçu la notif? Tac. Hop. On enlève tous les petits trucs. Hop. C'est tellement cool à faire, putain. C'est tout con, hein, mais c'est un... Tu sais, péter du carton comme ça, c'est un petit kiff, tu vois. C'est tout con, mais c'est kiffant. C'est grave kiffant. Est-ce que j'ai tout enlevé? Ça m'a l'air. On retourne.
On va donc plier en deux, comme ceci. Ensuite, ah, les œillets! Les œillets, les voilà! On est reparti. Donc là, on va mettre l'œillet en dessous. Ah, donc il va falloir utiliser le donut qu'on vous a dit tout à l'heure, le L. Paf! Ensuite, on imbrique les deux. C'est bien parce que t'as pas forcément besoin de lire parce que c'est suffisamment bien expliqué. On imbrique. Et on replie par-dessus. Oula. Oula. Pourquoi tu te redécales? C'est bon, c'est bon. On y arrive. J'ai galéré un petit peu, mais j'ai réussi. Voilà, on plie les trucs ici. On plie ici pour que ça tienne bien. Oui, voilà, ils disent que si c'est pas forcément calé, faut pas hésiter. Voilà. Poussez l'œillet vers le milieu, les deux L doivent être parfaitement alignés. Et ensuite, on clipse. Voilà. C'est clipsé. Ça tient. Ça a l'air de tenir en tout cas. Ça n'a pas fait clip, mais ça tient. Bon. Hop. Clic. Bon, bah voilà, ça s'est fait. Ensuite, on a cette partie-là. Non, la musique, c'est pas la Switch, c'est une playlist de Twitch. Ah, la playlist chiptune créée par Twitch sur Spotify. Parce qu'en fait, quand tu cherches sur Twitch, ils ont un truc, c'est Twitch Music. Et en fait, ils te mettent plusieurs playlists qui sont sur Spotify et sur iTunes, je crois. Sur une autre plateforme, je crois qu'il y en a sur Deezer, mais je suis pas sûr. Et en gros, c'est des trucs que tu peux utiliser pour tes streams sans que t'aies de problème de droit d'auteur, etc. Donc en général, quand tu l'utilises, il n'y a pas de souci. Tac, on retourne. On plie. Comme ça. Et on replie. Comme ceci. N'empêche, le mec qui a un Nintendo Labo avec un défaut de fabrication, comment t'as trop le seum. Du coup, ton truc, tu peux pas jouer avec quoi. T'es baiserie. En plus, la playlist chiptune, c'est quasiment que du Nintendo, donc c'est plutôt cool. C'est dans le thème, j'ai envie de dire. Voilà, là, c'est fait. On a bientôt fini la visière, hein. Rassurez-vous, la première étape est bientôt finie. Le plus compliqué, ça va être le sac à dos. Et c'est pour ça qu'il disait 2 heures, parce qu'en vrai, c'est... Ouais, c'est grave complexe, hein, en vrai. Alors. Tac. Comme ça. Hop. Hop. Super! Avec le petit accès ici, vous voyez, sur le... Voilà, donc ça va être pour tenir le Joy-Con. Et vous voyez un petit trou ici. C'est pour le Joy-Con rouge en fait, c'est parce que vous avez le... Ah non, c'est le bleu. Parce que le bleu, du coup il va se mettre là. Voilà, c'est ça avec le moins, tac. On a mis le Joy-Con bleu là-dedans. Donc, on le dépose. Voilà, là il vous montre donc ce que je viens de faire, mais je l'avais compris parce que voilà, faut pas être con. Donc ensuite... Hop, tu retournes et tu viens caler ton jou. Alors, on va retirer le Joy-Con. On va retirer le Joy-Con, donc
tu viens le caler ici. D'accord, et tu replies. Comme ceci. Tac. Pour venir caler ton Joy-Con. Voilà, comme ça, tu as le petit compartiment pour le Joy-Con. Et là, vous voyez, ça tourne. Et donc là, on va avoir l'autre partie. Et normalement, après, on va fixer ça comme ça. Et comme ça, on pourra... Hop, la petite visière. Donc ça c'est fait, je viens de le faire, voilà. Vous y êtes presque, voilà. Donc on va faire comme tout à l'heure. Donc ici, on va hop, plier. Ah, petit Sonic. Voilà! Super! Hop! Tac, ils imbriquent. Tac, tu clipses. Eux, ça paraît super simple, ça fait un petit vent et tout à chaque fois. Yes! Voilà! Donc, on a notre masque ici. Tac! Tac, regardez comment je suis magnifique avec. Hop, hop. Donc c'est pas terminé. C'est pas terminé parce qu'on va pouvoir le finir. Le fignoler parce qu'on va rajouter des lanières pour qu'on puisse le mettre sur n'importe quelle tête. Votre visière est presque finie. Maintenant. Alors, vous touchez au but. Une fois que vous aurez attaché la sangle de votre visière, vous pourrez la porter. Donc, il faut prendre... Donc, des 4 sangles. Donc on a la sangle qui est longue. On a les deux petites sangles. Donc celle-ci et celle-ci. Celle-là, on les met de côté. Et nous, on va prendre l'intermédiaire. Voilà, celle qui se plie en deux. Ok. Donc on va la passer. Alors, ils disent. Donc, le but, ça va être... Attends, comment ils mettent ? Eux, ils mettent leur truc comme ça. Voilà, hop. Donc la sangle, on va la passer dans le compartiment qui est juste là. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, le côté pointu de la sangle doit toujours être orienté vers le haut. Ah, donc on va passer comme ça, t'es un snake. Et on va repasser ici, putain. Et les mecs qui ont développé ça quand même, ils sont forts parce que faut le concevoir le bordel, hein. En vrai. Ah d'accord. Il y a une poche secrète. Glissez votre doigt dans un petit trou en forme de demi-lune pour une poche secrète. Elle révèle des secrets. Ah. Et du coup... repasser ici. Waouh, c'est trop bien pensé. J'adore les trucs comme ça. C'est tout con, hein. Mais je kiffe tellement. Et comme ça, tu peux resserrer ta sangle en fonction de la taille de ta tête. Ah d'accord, oui. En fait, là, je l'ai beaucoup trop allongé. Parce que normalement... Tu caches juste le bout du truc et tu vas reclipser tac dans la poche secrète. Voilà, tu refermes ici. Hop. Comme ceci. Et voilà. Hop. Ok. Et voyez, on ne voit rien parce que c'est caché. Alors. C'est caché à l'intérieur là, vous voyez, la petite trappe qui est juste ici là. Et si je l'ouvre, normalement il y a le bout de la ficelle qui est le bout de la sangle qui est dedans. Ah, c'est bien branlé quand même, c'est bien foutu.
Alors. Suite. Voilà, il faut bien que ce soit appuyé. Ensuite. Hop, te barre pas toi. L'autre bout de sangle. On va le passer comme ceci. Et on va le faire passer par là. Waouh! Et comme ça, on va pouvoir venir l'attacher. Ah oui, d'accord, donc ça fait vraiment le tour de ta tête. Putain, alors, tirer sur la sangle pour avaler tout le mou. Zoubidibidibidibidi. Ils sont obligés de se mettre des onomatopées. Donc alors là, il va falloir régler par rapport à ma tête. C'est-à-dire que, hop, moi on va être comme ça. La partie de la sangle qui va venir se poser sur votre front doit être à peu près de cette longueur. Bon, ça me paraît à peu près bon. Et ensuite, on vient passer comme ça. Et on repasse. On repasse ici. Waouh! Et regardez. Hop! C'est génial! C'est génial! Salut! Salut! Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Aujourd'hui, on va faire des expériences incroyables. Bonne nuit à toi, Razer. Merci d'être passé, des bisous. Voilà. Aujourd'hui dans... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est le papier du... La boîte du jeu. Voilà. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait droit, mais c'est pas grave. Voilà. Oh, bonjour. Voilà. C'est pas génial comme truc. C'est tout con, mais... C'est... Nintendo VR. Ouais, tu fais... Wouah, c'est en VR. Et regarde. Alors, hop. Je vais enlever mon casque. Et normalement, tu mets ton Joy-Con bleu juste là. Tac. Tu mets sur ta teutée. Je pense que je vais pouvoir même le resserrer un petit peu plus en vrai. Ce qu'on va faire. Hop, pas trop non plus. Voilà. Hop. Voilà. C'est les oreilles qui gênent. Attendez. Faut que j'aille montrer ça à mes collègues parce que c'est assez incroyable. Par contre, je crois que ce n'est pas adapté pour des lunettes. Quoique. Ah oui, attends. Oula, je me suis pris la lumière. J'arrive.
tape sur les limites. Bah si. Je suis en train de stream. Bah oui. Ah bah oui, si tu veux. Attendez. Ah voilà, il a fait un clip. Il a fait un clip, le petit Razor, il a bien raison. Alors, donc on va continuer toute la suite du montage avec ça sur la tête. Ok, demande à Nintendo de te rendre les bits à cause du fait que ça fonctionne moins avec tes lunettes. Oui, je devrais faire ça. Alors, on va relever le truc. Je vais peut-être juste enlever le Joy-Con pour éviter les accidents. Tac. Voilà. Hop. Mettons-nous au chantier. Alors, voilà, donc là il monte la suite, tac tac. Voilà, fini. On a fini la tête. Super. Votre visière est sanglée. Il ne reste qu'à l'essayer, demandons au mannequin, voilà, bon après ils vous montrent comment le mettre. Attends, comment ils s'appellent leur mannequin? Caberlo. Elle est pourrie ta vie. Ah oui, et du coup si tu veux resserrer, t'as juste à tirer ici pour pouvoir resserrer le truc une fois que c'est mis. Voilà, mais on va le desserrer un peu. J'ose pas trop forcer parce que j'ai peur de péter. Voilà. Fini. Super. La suite. Voici maintenant venu le moment de vérité. Voilà. Ma visière, elle coulisse bien de haut en bas. Jusque là, tout va bien. Donc c'est qu'elle est bien montée. Ok, suite. Votre visière est terminée. Au fait, attends. Au fait, du robot règne le ciboulot. Oh là là là. Bravo, vous l'avez fait. Et pourtant, ce n'était pas facile. Si vous faisiez une petite pause avant de continuer. Non. Eh bien, ils te disent, fais une petite pause entre chaque truc. Donc, voilà. La visière, c'est fait. Donc, on va mettre ça de côté. Juste là. Mais tu vois, rien que monter ça, c'est tellement cool, en vrai. Parce que tu sais, tu montes ton petit truc et tout, c'est une connerie, hein, c'est du carton, mais rien que ça, c'est super cool. Rien que ça, c'est super rigolo, quoi. Ensuite, on va continuer. Alors, hop, je mets ça là-bas. Mon cul en HD est génial. Alors, donc maintenant, on va monter les boîtes de puissance. La puissance. Donc on va prendre. Alors, le schéma A, il est fini aussi. Donc on va prendre côté. Il y a juste. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va être certainement à utiliser plus tard. Il me reste des parties que je n'ai pas utilisées. Alors, maintenant on va s'attaquer aux planches C et aux planches D. Donc, la planche C, que voici. Et la planche B. Hop. Donc, détachez ces quatre pièces de planche. Nénia, si tu fais ce que je pense, je te tue. Il y a le chat de la coloc qui est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait l'humain? Qu'est-ce qu'il fait l'humain? Oui, parce que le chat de la coloc, il parle avec une voix comme ça. Alors, détachez les quatre pièges des planches C et D. Elles vont servir à animer votre robot. Parce que ce sont les blocs de puissance, comme ils appellent ça. Alors, donc on va détacher tout ce qu'il y a sur les planches C et D, en fait. Like. Tiens, est-ce que tu veux détacher les planches D? Le chat, vas-y. Oui, allez. Alors, tac.
grosso modo, hein, c'est les mêmes 4 trucs. Donc ça, la planche C, on n'en a plus besoin. Et la planche D. Ça c'est mis de Sonic Colors, si je me souviens bien. Planet Wiz, un truc comme ça, c'est très cool. Les mis de Sonic Colors sont très très cool. Ça c'est... On ne le rappelle assez jamais. Ouais, bah oui, le chat blasé. Bah son salaire, c'est ses croquettes, on va dire ça comme ça, hein. Voilà, hop, on a tout détaché. Ok, très bien. Ah oui, en plus, ils vous mettent un petit icône en bas pour vous expliquer ce que c'est. La taille des trucs. Ah oui, 1, 2, ok, d'accord. Pour savoir où ça se passe. Donc, hop, la tête, on la range ici. Le micro. Hop, voilà. Donc, les musiques des premiers Sonic sont très cool aussi, mais c'est vrai que le chipset. Mais ouais, l'OST de Sonic Colors est vraiment très très cool. Alors, suite. Donc on va prendre une partie, on va enlever toutes les petites merdouilles. Tac, on va mettre ici avec les cartons. Oui je sais, ce n'est que du carton que j'ai. Hop. 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 Alors, bon, on va le faire sur tous, comme ça ce sera fait. La musique est pas trop forte par rapport à... Dites-moi, hein, si jamais la musique est trop forte, je baisse un peu. Normalement, ça devrait le faire. Hop. Ça, par contre, c'est Chemical Plant, ça. Version très très arrangée. L'avantage c'est comme c'est 4 fois le même truc, à mon avis ça va se monter 4 fois de la même façon. Je m'installe. Enfin, attention, c'est bon. Ça va, c'est quand même assez épais, mais c'est pas trop épais non plus, donc faut pas y aller comme un bout, trop comme un bourrin. Attends, si j'ai tout ça. Ouais, on voit quand même. Ok. Parce que là, la lumière au-dessus, elle chauffe. Je suis en train de mourir. Tac. Puis ça repose les yeux un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors. De toute façon, c'est tous les mêmes. Ouais. Donc, j'en prends un au pif. Donc ça, je rabats comme ceci.
le chat du rabat. Hop, on fait tac. Et on fait tac. De toute façon, à chaque fois, on voit bien les lignes de démarcation, là où il faut plier, etc. Donc, c'est assez intuitif quand même. C'est ça qui est relativement bien foutu. Il demande de rabattre les petits igloobies aussi. Là, ça ressemble à un zizi, on est d'accord. Ça va ressembler à leur boîte de puissance après. Je suis actuellement très concentré. Il est pas minuit. Ouais, non, mais c'est bon. Là, aujourd'hui, on a dit qu'on avait le droit. Alors. Donc. Tac, tac, tac. Ça, on le relève. Ensuite, on vient emboîter ça. Ici, on le replie certainement. Et à chaque fois, c'est coloré. Genre, il te montre bien qu'est-ce qui va s'emboîter, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Puis comme ça, elle a aussi deux fois plus belle. Est-ce que votre boîte ressemble bien à celle-ci ? Oui. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose sur les autres. Tac. Tac, 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 tac. Hop, on relève, on met ici, on zigouigouille, on clipse, et on va faire ça sur les quatre. Pas trop vite non plus, parce que ça c'est typiquement le genre de truc où tu vite. Les enfants, oh, on est dimanche, c'est pour ça, tu vois, on peut se permettre ce genre de facétie, parce que dimanche tout est permis. Et non pas vendredi, hein. Pour raconter l'histoire avec... hein. Bon, vous avez compris. Voilà. Les quatre boîtes sont faites. Pliez petite languette latérale vers l'intérieur. Hop, hop. On fait du travail à la chaîne. Vous voyez, on fait travailler les pauvres petits enfants. En fait, les enfants qui vont acheter Nintendo Lab, on les fait travailler en secret. Ils le savent pas, tu vois, mais c'est pour qu'ils apprennent à monter les armes quand ils seront plus grands, tu vois. Dans les ateliers, ils montent des armes. C'est de l'exploitation d'enfants. Mais en vrai, tu sais, à force d'en faire, tu comprends toi aussi comment ça marche, le principe de languette et tout. Et techniquement, tu peux en fabriquer toi-même, tu vois. Après, bon, faut étudier les proportions, faire des schémas, des trucs comme ça, mais au final, c'est pas complètement con comme truc. Enfin, c'est même très loin d'être con, parce que c'est quand même plutôt astucieux comme truc. Vous avez fini votre première boîte.
Encore 3 boîtes de puissance à monter, elles sont toutes identiques, donc la suite devrait être un jeu d'enfant. Petite astuce, avant d'aller plus loin, vous pouvez étirer l'icône suite vers la droite à tout moment pour accélérer. Ah, voilà, mais dites-le moi aussi. Voilà, vous me dites pas. Vous me dites que maintenant qu'on peut accélérer. Voilà, bon là, ils sont en train de refaire la même chose. Tac, moi je l'ai fait en parallèle, donc... Voilà, mais il te remonte, voilà, deuxième, troisième. Moi, je l'ai fait en parallèle, je vais plus vite que vous, vous êtes nuls à chier. Oui, non, mais c'est parce que je disais, tu sais, il y a une émission, ça s'appelle Vendredi, tout est permis, c'est pour ça que je disais, m'en parlez pas, tu vois. C'est l'émission d'Arthur. Vendredi, tout est permis. Pro du pliage, ça vous plaît? Tac, double fixation. Sortez maintenant les marqueurs. Ah! Les marqueurs. Donc ça, c'est des trucs réfléchissants qui vont servir pour les... Comment? Les, le détecteur du Joy-Con rouge, ce qui est un détecteur infrarouge, je sais plus sur lequel il est, ouais c'est sur le rouge. Il y a un détecteur infrarouge qui va hop choper comme ça. Sortez maintenant les marqueurs adhésifs du sachet transparent. Il sert à faire bouger votre robot. Voilà. Vous allez coller les 4 plus gros en utilisant donc, et c'est pour ça qu'ils ont mis un petit tracé. Donc comment ça marche? Alors. Tac, je décolle et il faut bien coller. Voilà. Comme ceci, vous voyez, il y a... Donc ça c'est une surface qui va être réfléchissante. Et en fait le principe du Toy-Con, c'est que les boîtes de puissance en fait, elles vont être détectées par le Joy-Con rouge qui va être à l'arrière, qui va avoir son truc de détection infrarouge. Il va être mis à l'arrière de la boîte et en fait il va scanner l'intérieur de la boîte et quand vous allez bouger les fils ça va passer devant les capteurs et du coup à chaque fois que ça passe devant un capteur lui le Joy-Con rouge va détecter ça et comme ça ça va lui dire tiens de ce côté là ça a bougé donc tu fais bouger le bras ou tu fais bouger le pied et ainsi de suite. C'est tout con. Ouais, posez des trucs, ne vous inquiétez pas s'ils ne sont pas parfaitement droits. Ouais, de toute façon, c'est pour ça qu'ils en ont fait des suffisamment grands. C'est... Par contre, je me demande si jamais tu les paumes, si jamais tu les mets pas bien ou quoi, tu bourres, comment t'en récupères d'autres? Comment tu les fais toi-même? Parce que c'est une surface réfléchissante, mais... Moi je pense que tu mets de l'alu ou un truc comme ça, ça doit pouvoir passer. Je pense qu'avec de l'alu ça doit pouvoir passer. Rangez précieusement les marqueurs adhésifs restants, vous en aurez besoin dans votre prochain montage. Ok. Voilà, les boîtes de puissance. Munissez-vous maintenant des 4 planches de puissance qui sont glissées entre les deux moitiés de la planche J. Alors, deux moitiés de la planche J. Oula. Alors, la planche E. G, H, I, J. Putain, il y a 30 milliards de planches. J, voilà. Donc c'est tout ça. Tout ça là, qu'est-ce que c'est que ces merdes? Alors, séparer les bandes de papier en partant la petite ouverture. Donc il va falloir séparer. Wow, c'est grand en fait. Ah ouais, d'accord. Alors, c'est beaucoup plus grand que la boîte en fait. Ils t'ont fait un truc pour que. Donc. Ne déchirez pas les lignes perforées et horizontales très fines, d'accord.
faut bien séparer les planches comme ça. Ça part tout seul. Monte ta sextape. Voilà. Hop. Tac, donc là il te montre comment les faire. Et après tu les plies comme ça. Attends. Passer au pliage. Donc, hop. Tu te sers des lignes. Et tu fais tac, 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 et tac. Comme ça des deux côtés, c'est blanc. Zouing. Hop. Et on fait pareil avec les autres. Hop. Zouing, 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 comme ils disent. Je n'ai aucune idée de ce à quoi ça va servir ces trucs là. Je mets l'autre planche là. Si vous savez à quoi ça sert, tapez 1 dans le chat. Attends, on en pose 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. Il y a le chat qui me regarde bizarrement. Je sais pas ce qu'il veut. Alors, on prend un truc ici. Ah, on va plier la petite lunette comme ça. Ah, d'accord. Ok. Donc on va prendre une truc et on va la glisser. La glisser comme ceci à l'intérieur. D'accord, en fait ça va permettre de faire d'appuyer dessus. Ah, et attends, il faut qu'on les mette toutes. C'est quoi, c'est pour faire du poids dans le truc, c'est ça? C'est trop astucieux parce qu'en fait quand j'appuie sur le truc là, ça me permet de rentrer le truc. Niveau de difficulté de 6 à 8 ans, c'est aussi long de la... Bah ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin non, non, c'est vrai, c'est vrai. Jusqu'à un certain point, hein, on va pas... Après je vais être recherché par la police avec vos conneries. Ah oui, donc ça... Une fois fini, ça pèse son poids quand même. Voilà, avant de passer à... Donc on va faire exactement la même chose sur les autres. Donc, allez, on est parti. Ouah, bah, bah, ouah. Le mec qui pète un câble. Je fais du pliage. Non, en fait ça va, une fois que t'as compris ça va vite, on brûle les étapes. Parce que nous on est intelligents et surtout j'ai 27 ans, si j'arrive pas à faire ça, c'est chaud du cul. Mais rien que le montage en fait, c'est rigolo en vrai. T'inquiète, t'es en France, on pardonne. Rien que le montage en vrai c'est rigolo, donc
dis, comment dire, tu dis en fait tu mettrais juste ça comme jeu, tu ferais ok, vas-y envoie. Enfin moi en tout cas ça marche avec moi. Après je sais pas pour les gens, mais putain, hey, ils ont vraiment pensé à tout parce que t'as le petit truc pour appuyer pour que ça rentre facilement. Putain, c'est d'une ingéniosité. Tu sais, les mecs, les vrais ingénieurs et tout, ils sont là, ils font... C'est de la merde ton truc, c'est... Voilà, c'est... Tu me fais rigoler. Tu me fais rigoler, petit enfant. Ça pèse son poids quand même, hein, le truc. Allez, ça part. Ah! Bah! Regarde! Bah! Regarde, tu fais juste... Attends, mais ça marchait tout à l'heure. Tac! Mais pourquoi celui-là, ça marche pas? Regarde, tu fais... Tac! Allez, vite, vite! Vite! Regardez! Hop! Super vitesse! J'ai failli le plier! Enfin, le plier, mais mal le plier, quoi. C'est la musique! Link's Awakening, très bonne OST aussi. Y'a que des bonnes OST, hein, en vrai. Allez, tac. Yes, allez. On a bientôt fini la dernière boîte de puissance. Attention. Tac. Paxel, 27 ans, s'amuse avec des morceaux de carton. Voilà, surtout, reproduisez ça chez vous. C'est pas ne reproduisez pas ça chez vous, c'est reproduisez ça chez vous. Franchement, c'est... Ouais. Comme ça, ouais, les gens qui, eux, vont le monter plus tard, machin... Verrez comment ça marche. J'ai encore fait plier un truc. Parce que je vais aller trop vite. On n'a pas le temps. Vite. Super! Voilà! On a nos boîtes de puissance. Ah, parce qu'en fait, j'ai compris pourquoi elles mettaient du poids comme ça dedans. En fait, ouais, les cartons, c'est juste pour mettre du poids dedans. Pour qu'en fait, quand tu appuies sur le truc, ça tire en fait sur la ficelle. Et que tu fasses remonter. Parce que dans le bloc, tu vas avoir les boîtes de puissance qui vont monter et descendre. Et qui vont passer, en fait, elles vont bouger. Et ça va être détecté, la lumière ici va être détectée. Et quand tu vas donner un coup, tu vas tirer avec la ficelle et ça va faire remonter la boîte dans la boîte de puissance à l'intérieur. Bon là, il remonte 30 fois le même truc. J'ai compris comment ça marchait, pas besoin de me remontrer 4 fois. Ah putain, tu répètes les mêmes trucs en fait. Moi j'ai hâte de le moment où tu vas monter vraiment la boîte. Et la quatrième boîte de puissance. Si
tiens, en parlant de Godzilla, j'ai vu le Shin Godzilla d'ailleurs avec, avec Luciole, enfin avec Binelb. C'était très très cool. J'ai beaucoup apprécié. Puis en plus déjà que j'aime beaucoup Hideaki Anno, mais alors là, là c'était nickel. Et si vous faisiez une petite pause? Non! Alors, munissez-vous des 4 bouts de ficelle, il y en a 2 turquoises et 2 oranges. Drop it. Donc, un turquoise. Deux turquoises. Et deux oranges. Ok. Les bouts de ficelle turquoise sont plus longs que les bouts oranges. Gardez l'œil ouvert pour éviter qu'ils ne s'en mêlent. Prenez d'abord un bout de ficelle turquoise et accrochez à une boîte de puissance. Alors. On va prendre un bout de ficelle. Tac. Et on va le mettre. On va le mettre comme ça. Hop. Tac. Ça va le coincer. Et tu peux faire un nœud aussi autour. Alors, vous allez faire un double nœud. Faites d'abord le premier en veillant à garder suffisamment de ficelle pour le second. D'accord. Hop. Voilà, j'ai fait une double nœud. Ça tient. Parfait. Si ça tient, c'est bon signe. Voilà. On serre. Voilà. Premier truc, tac. Ah oui, non, d'accord, j'ai pas du tout fait un double nœud en vrai. J'ai complètement fait de la merde. Alors, le mec sait pas faire des nœuds. Alors, comment ils font? Attends, tu passes le truc comme ça. Hop. Tu fais ça. Et après. Ouais, d'accord. Bon, je pense que c'est bon. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à demander un adulte. Ah, et après en fait, tu glisses ce qui reste de ficelle à l'intérieur comme ça. Va-t-il réussir à glisser un bout de ficelle dans le carton et à ne pas faire ça comme un gros sac à merde? Voilà, c'est bon.
Et ensuite, on va refermer la boîte. J'ai envie de donner envie de re-regarder Shin Godzilla. Ah ouais. Merde. J'ai fait une bêtise. Faut que je passe le fil là-dedans. Bah, et sinon aucun intérêt d'avoir un trou ici. Voilà. Là on est bon. Ok. Voilà. Là on a notre boîte de puissance. La puissance. Et regarde, tu peux attaquer, tu peux faire. Bam. Bam. J'ai eu peur, j'ai cru qu'elle était en train de se détacher, j'allais dire non. Parce que c'est lui qui va le monter. Ok, donc je vais re-regarder comment ils font ça. Donc. Hop. Donc on va reprendre. On va reprendre le deuxième bleu. Eh, Shin Godzilla, il est trop bien en même temps. Alors. C'est dans quel sens ils mettent ça en fait qu'ils... Jusque là tout va bien. Ah oui d'accord. Okay. Hop. Ah ouais d'accord, tout simplement en fait. Je m'étais pris la tête pour rien. Branche la ficelle. Voilà. Hop. Paf. On plie comme ça. Hop. Tac. Le zigouigoui. Godzilla Earth, c'est quoi ça? Voilà, boîte de puissance 2. Après, pour les oranges, il va falloir que je fasse gaffe de me laisser un peu de longueur parce que... Oh, il n'y a pas besoin de beaucoup de longueur en vrai. Voilà, au moins, le nœud il tient bien. Hop. Ce petit vu, quand tu passes le fil, c'est priceless.
Voilà, hop. La orange. Et enfin, la dernière. On a presque fini. En fait, c'était cette partie-là que j'avais peur de me foirer. Parce que je m'étais dit, putain, pour attacher les boîtes et tout, ça doit être un bordel monstre. Et au final, ça va, c'est pas tant que ça. Au final, en fait, ça va, ça se fait tout seul. Réussi que les autres parce que j'ai fait n'importe comment mon nœud, mais sinon le reste ça va. C'est bon, on a fini les boîtes. Les boîtes de puissance. Merde. Parce que celle-là, j'ai fait de la merde. Voilà. À vouloir aller trop vite. On oublie une partie du pliage. Voilà. Alors, une orange. Une orange. Une bleue. Une bleue. On a tout. Ok, boîte de puissance, c'est fini. On va boire un petit coup. Il fait soif. Alors, c'est pas se casser la gueule. Godzilla Earth est un film d'animation qui raconte. Et l'espèce est partie de la Terre à cause des kaijus et surtout de Godzilla et qui essaye de la reconquérir alors qu'elle est devenue quasi inhabitable. Oh. C'est sur Netflix ou enfin, c'est truc qui est sur Netflix ou pas? Ah. J'ai mal au bouge. J'ai les jambes pliées depuis tout à l'heure. Ça évitera les autres problèmes. Tout va bien. Tout va bien. Alors. Ouch. Alors. Ensuite, on va fabriquer l'unité centrale. Donc ça, c'est censé ressembler. Alors, on va ranger ça. C'est censé ressembler à ça. C'est le truc qu'on va mettre sur le dos où il y aura les blocs de puissance, etc.
C'est sportif. Bon, en vrai, j'ai pas besoin de ça. Ça, on le jette. Je vais allumer la lumière ici. Le backpack, exactement. Alors, fabriquons maintenant une unité centrale. Donc, les planches E et G. Donc là, E, elle est ici. La voici. Donc la planche E, on enlève tout ce qu'il y a dessus. Hein. C'est aussi simple que ça. Ouais, je sais exactement où est-ce que je vais le ranger pour éviter que ce soit accessible par le chat. Il suffit de mettre en hauteur. Parce que le chat ne peut pas sauter. Ce qui limite grandement ses déplacements, ça va sans dire. Voilà. Hop. Ah, c'est sur Netflix, Godzilla Earth. Bah écoute, bah, j'en parlerai à mes collègues, vu que s'il l'a pas déjà vu. Parce que Blinelb est très fan de Godzilla, bah, c'est lui qui m'a montré Godzilla, Shin Godzilla. E et G. Allez, on avance bien. Il est quelle heure? Il est même pas minuit, c'est génial. Et on est à l'étape 3 sur 8. Bon là par contre on n'enlève pas tout, on enlève juste cette partie là. Alors pourquoi il ne vous demande pas de tout enlever directement? C'est pour éviter de vous paumer. Hein. Même si au final vous allez tout enlever. Mais au moins ça évite de se paumer dans les... l'ordre des parties et tout. Voilà. Hop. Ça remet ça là. Donc, je vais y arriver. Alors, ça. Avec délicatesse pour ne pas les plier. Détachez aussi cette grosse pièce de la planche F. La planche F. What? Le backpack. Bon. Détachons-la, donc hop. Voilà. Elle est grosse, c'est la pièce principale. Voilà. Donc, on va enlever les petits oui. On va mettre avec le reste des petits morceaux de carton. En vrai, ouais, ce qui aurait été génial, c'est une grande table, tu vois, où je me pose et je fais des trucs. Hop. En vrai, je sais pas si je vais finir ce soir. Ça paraît pas comme ça, mais c'est fatigant. Et puis en plus, il y a mon spot qui chauffe et tout. Donc je suis en sueur. Je plie du carton. Ouais. Paxel passion carton. Bonjour. C'est mon cadeau d'anniversaire. Enfin, c'est un de mes cadeaux d'anniversaire. Oh, qu'est-ce qu'on lui offre à Alexis Talibor? Je sais pas. Tiens, bah, il a pas dit qu'il voulait un morceau de carton? Ah, mais si! Un morceau de carton avec marqué Nintendo dessus. Oh, génial!
Ah, il va kiffer. Oh, bah tu sais qu'il adore Nintendo, ce gros sac. Ah, bah oui, évidemment. Nintendo par-ci, Nintendo par-là. Voilà, on y est presque. Petit morceau de carton, où es-tu allé? Où es-tu? Bon, je le retrouverai, c'est que du carton. C'est pas grave. C'est pas un élément important, c'est juste un... D'ailleurs, heureusement que c'est les grosses pièces, parce que... Ah! Oui, ça avance, bah. On a la visière qui est là. On a les boîtes de puissance qui sont terminées, les 4. On a fait deux parties sur les 3, et là, on va faire le gros du truc, donc l'unité principale. Non, c'est pas ça. Il faut... C'est ça. Alors... Les joueurs ici, vous voyez que ça se perde. Donc, on retourne dans ce sens-là. Vous allez commencer par le câble et la boucle de rangement. Posez les pièces face imprimée, orientées vers le bas. La boucle de rangement. Alors, péter les petits trucs, comme d'habitude. Hop. Des petits trous, encore un petit trou. Ça, c'est pas un remix de la musique du train? La musique du train dans FF6, ça, non? Parce qu'avec qu'on entend des trains, on a eu... Voilà, hop! Pliez la boucle sur elle-même. Et tu viens l'emboîter. Et je sais que ça va vous plaire d'emboîter des trucs. Alors, pliez sur elle-même. On va venir la positionner ici. Ah oui, en plus il te montre où tu en es sur le global. C'est ça que j'avais pas vu. Alors on va mettre les petits mâles et les petites femelles. Voilà, vous sortez 6 paires de yegri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'espère qu'il n'y a pas pile poil le nombre, sinon ça casse les couilles. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc. Ils sont petits, faites attention à ne pas les égarer. Ouais. D'accord, et donc je vais les placer comme ceci. Et je les quitte direct. D'accord. Voilà. Hop. C'est tout un système, hein. c'est astucieux. Ah mais je sais pourquoi il me manque. Oui. Je suis con, j'en compte un de trop. Voilà.
2. C'est bon, donc il m'en manquait pas. Donc on les emboîte bien, n'est-ce pas? Il faut bien emboîter comme ceci là. Tac, je t'emboîte. On va plier ici, plier ici. Là, on va plier ça comme ça. Ici, on va plier ça comme ça. Et là, on va replier ça comme ça. Voilà, tout simplement. Ah oui, donc, cette partie-là. Heureusement que j'ai mis une musique à côté et pas la musique de la console, sinon ça m'aurait touillé la tête. Par contre, ce que je ne peux pas dire, c'est qu'une fois que c'est fini, je le pose quelque part et je joue pas au jeu. Ah non, 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 mais c'est juste pour le carton en fait. Hein, voilà, on est là, on a un robot, on rigole avec. Alors évidemment qu'on va faire le jeu. Il faudra juste que je branche mon. Mon truc pour capturer la Switch. Ah, il y a un R dessus, c'est-à-dire que c'est droit. Ah, oula. Retour, retour, retour. Doucement. Hop. Ça, tu mets ça comme ça. Ok. Et ça, tu mets ça sur le déco. Et ça va venir s'emboîter ici. Très bien. Ah, c'est les moments un peu délicats dans les montages de carton. Ça me rappelle quand on monte les affiches au boulot. Les grandes PLV. Ah bah voilà, voilà. Là tu me parles, là on discute. Alors, est-ce que c'est bien tout emboîté? Ouais, nickel, nickel. Et voyez, ouais, là il y a les unités. On va, vous allez voir, ça va prendre forme, ça va prendre forme. On avance. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. Ah oui, il faut que je pense à replier ça ici. En fait, ça va permettre, c'est pour le porter, en fait. Ils ont prévu une petite poignée, c'est sympathique. Ah oui. Ah. Ah non, en dessous, c'est bon, je l'ai fait. Ah oui, d'accord, il est en train de m'expliquer, s'il te plaît. C'est bon, j'ai compris votre système maintenant. Ah oui. Donc, on va mettre ça comme ça. Maintenant, on va faire qu'on chope l'autre partie. Donc, plan GH. Alors, sur la G, on va prendre les deux bitonios. Tac, les deux bitonios qui sont ici. Sur la G et sur la planche H, ça va être la partie gauche.
Ensuite, est-ce qu'il y a des petits trucs à péter? Oui. Est-ce que ça va toujours? Vous êtes toujours là? Est-ce que vous entendez quand je fais des coups? J'ai des cracks avec le carton. Ah, juste le petit crack comme ça, là, ça... Ça me rend toute chose. Par contre, ce qui est bien avec leur principe, c'est que comme c'est du carton, c'est ultra léger. Donc c'est bien parce que pour les gamins, et puis même pour les parents qui vont jouer avec les gamins et tout, c'est pas, voilà, tu mets ça, c'est pas ultra lourd. Ensuite, alors, hop, là il me demande de la retourner. Hop. On plie, tac, je plie ici, je parviens à plier tout du long. Le cochonnet, tac, 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 tac. Et on va le clipser comme ce qu'on a fait juste avant. C'est que ça s'envoie tout seul. C'est comme dans du beurre, c'est comme dans ta sœur. Je ne regrette pas du tout ce que je viens de dire. J'assume entièrement ma responsabilité. Voilà. Hop. Voilà, là ça a de la gueule. Là il y a quelque chose, on nous raconte quelque chose. Voilà, ça prend forme. Ah, maintenant il faut les bitonions. Oh là, zéro image perdue, c'est tellement beau. Ok, très bien. Et après on va venir caler un petit... Voilà, vous voyez, j'ai mis un petit truc ici. Et on va venir caler un œillet. C'est comme ceci. On va fixer. Paf. Voilà, comme ça, ça bougera pas. On fait la même chose ici. Tac, tac, tac. Et hop. Le nombre de trucs. Ça, par contre, je trouve ça dégueulasse qu'ils ne donnent pas des pièces en plus au cas où tu les paumes. Parce que ça c'est dégueulasse par contre. Voilà, bon. Ah, ok, tac.
C'est fait. Le moment est peut-être venu de faire une pause, non? Oui, je vais aller pisser. J'arrive. Chrono Trigger en fait. Mes jambes sont défoncées. On va passer aux pièces. Et c'est bien, leurs planches en fait, ils ont fait des planches qui n'étaient pas vraiment tout à fait rectangulaires. Vous avez des petits angles comme ça pour pouvoir les choper en fait sur le côté. C'est pratique. Alors, on va prendre le droit. Qui a le droit? Il y a le droit. Bon, vu les formes qu'il y a dessus, je pense qu'il va y avoir des sangles. Il va y avoir des sangles à faire passer. Parce que là, quand il y a les petits zigouigoui comme ça, là, les petites moustaches de Wario. Vous avez vu Nintendo, tout ça. C'est qu'il va falloir faire passer des sangles. Elle est cool cette playlist quand même. Jouer des jeux Super NES. C'était rapide, hein. Ah, la grande sangle, la voici. Non, elle n'est pas faite. Alors, laissez les plus courtes bien au chaud à l'intérieur, vous les utiliserez plus tard. Ok. Et ils avaient dit la pointe vers le haut. Donc quoi faire? On va faire. Oui. Comme ils disent.
avoir la même longueur des deux côtés. Et... quasiment. Quasiment first try. Tac. Super. Hop. Mais non, je ne suis pas mort, voyons. J'étais parti faire montrer mon œuvre à une de mes colocs, à des choubas. D'accord. Et ensuite, de l'autre côté, on fait... Voilà. Et là, pareil, on fait... C'est pas moi qui le dis, c'est marqué sur le... Vu que tu aimes bien les bruits chelous, Twinkle, je pense que ça t'a trigger un petit peu. Ensuite, on replie ça. Voilà, hop. On le plie comme ça. Ah, et ensuite, dans la boîte. On va les faire passer comme ça. En mettant les aiguilles toujours. Donc là, ça va être vers le bas, mais... Voilà. Voilà, comme ça, c'est Keblo. Parfait. Donc ensuite, la planche J. What the fuck, je quitte 3 secondes et t'as fait ça. Ah oui, bah attends, ça va vite, hein. moi j'ai pas le temps, moi. Alors, J, donc on a eu ça. Vous voyez, en fait, c'est surtout le début, le temps de comprendre comment ça marche, tu vois, la façon qu'ils ont pensé pour, comment dire, les méthodes de pliage et tout. Une fois que t'as les méthodes, après, en vrai, ça passe tout seul, parce que, en gros, tu comprends comment ça marche et du coup, tu vois les trucs s'emboîtent, tu fais, ah d'accord, ok, ça s'emboîte là et ainsi de suite. Pour prendre les emboîtements. Hop. Donc on a ça. Celles qui sont marquées avec un R. Donc, d'abord, on prend la petite lame de rasoir. Ça va être les... Ça va être pour mettre sur les sangles. Pour faire les... Hop. Donc on fait d'abord une figure ici. Ensuite, on replie encore une fois, tac, on replie ici, on replie là, ensuite ça, alors, à faire les trous, on t'attend pas, hein, Wolf, hein. On avance, nous, hein. tu crois qu'on s'amuse pendant que toi tu... Bon, toi t'étais parti, c'est ça? T'es quoi, parti nourrir les loups ou comment ça se passe? Donc là il y a des petites moustaches de Wario. Je suis vraiment content de mon truc en vrai. C'est tellement cool.
vois, ça, ça me donne envie d'acheter le multi-kit derrière pour tester des trucs. Parce qu'avec le multi-kit, il y a moyen de tellement s'amuser. Moi, tu vois, j'avais mis sur ma wishlist sur Amazon le multi-kit et le robot. Et du coup, mes parents, ils m'ont acheté le robot. Bien en sorte que ça plie bien partout. On plie ici. Et tan 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 tan. C'est bien fait pour être plié, on est d'accord. Ah d'accord. Celui-là du coup ça se met comme ça. Et ça, ça va se mettre de façon à ce que le R se superpose. C'est bon. Tordez-la un peu pour la courber, vous arriverez mieux à passer vos épaules dedans si elle est bien incurvée. Ah oui, parce que du coup c'est... Voilà. Donc du coup là on renforce, justement on fait deux épaisseurs, ça te permet de le plier en fait. Parce que ça en fait c'est ce qui va être sur tes épaules et qui va être un peu courbé pour mettre sur les... Voilà, hop, on tord un petit peu le truc, comme le mec avec le marteau. Voilà. Ensuite, la plongée. On va prendre la gauche. Et on va faire la même chose. J'ai tellement swag avec.
Ah non, j'ai cru que la playlist était finie. Et quelle heure? Téléphone. Ah mais j'ai renouvelé mon abonnement chez Monsieur MV aujourd'hui. Il est minuit, nous sommes le 14. Voilà. Alors. Donc déjà, hop, ça, en jarte. Et on va utiliser le dernier œillet. Un truc qui n'était pas dans mes mains. Très bien. Hop. Donc ça, on met comme ça. Là, on le ferme. Voilà. Ah, il faut bien plier comme ça. Voilà, ça j'avais pas fait ça tout à l'heure. Bien appuyé. Pareil ici. À fermer ici, il faut bien passer pour bien que ça se mette. Et là pareil. Pas le faire à l'aveuglette, je vais bien suivre le tuto. Voilà, hop. On va arriver. Voilà, hop. On met ici comme ça. Je l'ai fait de souvenir, mais ça passe. Et on oublie pas de plier un petit peu tout ça. Voilà. Vous êtes toujours vivant? Alors. Voilà. On a nos deux sangles. Très bien. Ensuite, la I, elle est où? I, c'est ça. Il en reste de moins en moins des planches. Hein. Les dernières parties, ça va être très rapide à faire, j'ai l'impression. Ça va être surtout installer le système en fait qui va être là.
Est-ce que vous, du coup, alors déjà, est-ce que vous avez une Switch? Wolf, je crois que t'en as, mais je suis pas sûr. Twinkle, je sais pas du tout. Et du coup, deuxième question, est-ce que là, du coup, me voir en train de monter tout et tout, est-ce que j'ai l'impression que ça pourrait vous intéresser, Nintendo Labo? Je tiens à signaler, hein, avant qu'on dise quoi que ce soit, je ne fais pas d'OPSP. Ça commence à avoir une petite gueule quand même, hein. À pas se mentir. Hein? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et là, du coup, les sons que tu les mets, c'est génial. C'est trop bien. C'est trop bien. Regarde. Et là, tu les replies un petit peu comme ça. Parce que là, ça par contre c'est fait pour être plié. Donc voilà, hop. Super. Joli sac. Et je vais l'emmener pour la cour. Je vais être le meilleur à la cour de récré. Attends. Veille à ce que les sangles ne soient pas pliés ou torsadés. Merveille d'ingéniosité. Je vais le dire à chaque fois, mais ça me surprend quand même. Ça me surprend toujours autant. Mis en bon sens.
que c'est bon, j'arrive pas à me rendre compte. Oui, c'est bon. Oui, parce que les deux sont inversés, donc voilà. Voilà. Hop. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Alors, je vais agrandir un petit peu les sangles parce que là, ça me paraît un peu... C'est adapté pour un enfant, donc... Même si je ne suis pas très grand, faut quand même que... Oh putain, j'ai tellement peur de... Putain. Ah. C'est pour ça. Les sacs, c'est de la merde. Ouais. Ouais, ma gueule. Génial! Et alors là, là ça va être incroyable. Voilà. Hop, là on est pareil. Attendez, j'arrive. Donc, ils sont tous partis se coucher. Donc, je n'ai personne à qui montrer ma terrible invention. Mais il y a un truc qui me gêne. Ouais, c'est pas dans le bon sens. Mais bon, j'ai réussi malgré tout à faire un truc qui avait un peu de gueule. Voilà. Tac. Bonjour. Alors, hop, j'ai posé ça. C'est tellement l'éclate. C'est tout con, tu vois, mais c'est tellement drôle à faire. Tu vois, en excursion à Courseuil sur... Non, en classe de mer. Ah oui, d'accord. En fait, ouais, faut y aller comme ça pour le mettre. Hop. Tu passes un bras. Hop. Passe le deuxième. Et c'est parti. Ouais, avec moi, avec ma classe, eh ben, on va aller... Wow. Changement de musique. D'accord, c'est toujours la même.
Jointness. Ah non, du tout. It's raining vision. Attends. Voilà, on va lire la playlist Adventure. Paf. Voilà. Le lip Axel. Bon, ça va. C'est... En fait, c'est plus chiant à mettre qu'à retirer. À retirer, ça se fait en deux secondes, mais à mettre, c'est chiant. Bon. Très bien. Hop. Oui, 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 oui. Ah, du coup, pour régler la taille, eux, ils disent tu tires là, en fait. Ok, c'est fini, super. Qu'est-ce qu'ils disent? Une manette géante en carton? Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Bravo, vous avez franchi cette étape avec brio. Faites donc une pause avant de continuer. D'ailleurs, il y a beaucoup à faire et rien ne vous force à finir aujourd'hui. N'hésitez pas à faire durer le plaisir en continuant demain. Même eux, ils disent, en vrai, on pourrait s'arrêter là. Aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez qu'on continue là ce soir? Ou est-ce qu'on voulait qu'on fasse la suite plus tard? Parce que là c'est vrai que on a quand même bien avancé. Hein. Là le truc il est bien. Il est bien. On n'oublie pas le recyclage, c'est important. Pensez à la planète. La planète ne vous remerciera pas, mais elle sera contente quand même, et vous aussi. Plus tard, genre quelle heure? Non, mais genre un autre jour en fait. Après, l'heure, je ne sais pas. Vers les mêmes horaires, c'est 21h, 21h30. Ah d'ailleurs, il faudra que je pense, Pokédicap c'est jeudi. Hein. On va instaurer un genre de créneau, on va dire c'est tout le temps le jeudi. Et ce sera à 21h maintenant. Je vais repousser d'une heure parce que comme je ne suis plus tout seul à manger maintenant, je peux pas manger en deux spits, tu vois, faut au moins que... oui, je bosse, je fais 12-20. Je fais 12h-20h. C'est pas fou, mais je travaille quand même. Voilà, donc en gros, je vous montre là après ce qu'on va faire. On va dormir, espèce de sac. Ce qu'on est censé faire, la partie suivante, c'est la partie 4. Voilà. On en est là. On en est au glissière. Faire le point. Voilà. La musique est trop forte, d'accord. Et bah ça a changé de musique en même temps, donc c'est normal. Alors. Donc voilà. Là, je vais remettre la caméra comme avant. Pouet, pouet. Voilà. Donc, la prochaine étape, c'est ça. Ça va être la glissière juste ici. Donc qui va être le système en fait de poulies. Parce que c'est, concrètement c'est ça. Hein. Un système de poulies donc qui va être à l'intérieur. Vous voyez justement là dans la boîte. Là où il y a les trous en haut. L'espèce de rond. C'est là que les ficelles vont passer et que les poids vont être soulevés. Vous savez les bits qu'on a fait tout à l'heure. Attendez. En gros, je vais vous faire une image. Comment ça marche? Les fils bleus,
qui sont les plus longs, ça va être lié à ce qui est les jambes. Donc là, vous avez le côté gauche et là, vous avez le côté droit. Tout ce qui est côté gauche, donc jambe gauche, pied gauche, tac, on va passer la ficelle-là. Et en fait, quand on va tirer, quand on va bouger les pieds, on va donner un coup de pied, ça va faire monter comme ça à l'intérieur. Et en gros, le principe, c'est pour ça qu'il y a du poids dedans, c'est pour qu'on soit obligé de forcer quand on tire le truc. Et il va y avoir un système où en gros, on va pouvoir les caler dans des compartiments pour éviter que ça bouge. Et en gros, quand ça va coulisser, le Joy-Con rouge, qui lui va être ici, à peu près, va détecter l'intérieur de la boîte. Et quand il va voir que ça bouge là, il va voir passer le réflecteur à l'intérieur. Parce que lui, en fait, il envoie un signal infrarouge. Et les réflecteurs, c'est à ça que ça sert. C'est des trucs qu'il va repérer. Il va voir que ça bouge. Donc il va dire, tiens, ça bouge ici. C'est-à-dire que le mec, il a bougé son pied gauche. Paf ! Dans le jeu, il retransmet l'info. Pied gauche, faut que ça bouge. Et voilà. C'est cool, non ? Bah, il n'y a plus qu'à... Alors... On va déjà ranger. On va ranger les boîtes de puissance ici. On va ranger tout ça. Voilà. Les sangles qui restent, par contre, je ne sais pas encore à quoi ça sert. Je crois que ça va servir soit pour mettre au niveau des pieds, la partie avec les pieds, parce qu'en fait, il va y avoir. Je crois qu'il y a un Joy-Con au niveau. Non. Va devoir tirer les ficelles, donc à mon avis, on va se faire des espèces de chaussures en fait qu'on va mettre. Ouais, voilà, c'est les pieds du robot. Donc les sangles qui restent, ça va être pour les pieds du robot qu'on va attacher aux pieds pour quand on va bouger les jambes et ça va tirer dessus. Voilà, donc ça, on va mettre ça de côté. Les réflecteurs, on va poser ça ici. Voilà, hop. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, je vais poser mon magnifique... Enfin, franchement, le premier truc qui te font monter, ça sert à rien, tu vois. Mais c'est pour le principe de t'expliquer. En fait, si tu regardes bien, ce jeu-là... Enfin, oui, le jeu, c'est un jeu. Nintendo Labo, ça a été pensé comme un jeu Nintendo standard. C'est-à-dire qu'en gros, au début, t'as un tuto. T'as un tuto, clairement, c'est un tuto du jeu. Au début, t'as un tuto, et on t'explique des rudiments qui vont te servir après. Les pliures, on t'apprend aussi voilà, il faut suivre les trucs des pliures, qu'il faut faire attention à pas courber les trucs. Et on te montre aussi comment mettre des encoches. Tu vois, ici, comment ça s'encoche. C'est-à-dire que là, bon, si je retire, je risque de niquer le truc, mais là, par exemple, tu vois, t'as une encoche, et comment tu fais pour justement que les trucs s'imbriquent et que le tout tienne. Et aussi, on t'explique, par la même occasion, que bah tes manettes, tu vas être amené à les glisser dans ton carton, en fait. Et qu'au final, le jouet, ton jeu, c'est l'ensemble de tout ça. C'est l'ensemble de tout ça. Voilà. Donc par contre, bien évidemment, si je veux éteindre ma console, il va falloir que je remette tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop. Je vais poser mon petit truc ici. On va remettre le Joy-Con droit et le Joy-Con gauche. Voilà. Sélectionnez une étape, vous avez déjà vu, pour y accéder directement. Donc, on va fermer. On va revenir au menu principal. Voilà. Et du coup, comme celui-là pour le robot, je pense que la prochaine fois, je pourrais quand même... Il y a moyen que je vous affiche dans un petit coin de l'écran ce qui a marqué sur le... Mais moi, ça passera sur ma télé. Enfin bref, je pense qu'on va continuer comme on a fait là.
et juste quand on démarra le jeu, par contre, le jeu, lui, passe sur l'écran principal. Donc là, faudra mettre l'écran principal à ce moment-là. Les vis, qu'est-ce que c'est que les vis? Ah, parce qu'il y a un truc que tu peux construire, tu peux... Fabriquons des vis. Mais à quoi elles vont servir, ces vis-là? Et les vis, du coup, peuvent servir dans le... Apparemment, avec le jeu. Donc, vous voyez, s'il y a les petites vis à côté, et il y a le truc. Donc, on va retourner au truc Nintendo Labo. Donc là, on est sur la partie, on était sur la partie construire en jaune. Et une fois qu'on a fini de tout monter, voilà, bienvenue au labo. Voilà, vous voyez pas trop bien ce qui est marqué. Bah donc tant qu'on en... Ah si, voilà, retour. Donc ça, c'était pour voir le show. Il y a construire, il y a jouer, et après il y a découvrir. Donc une fois qu'on aura fait chaque étape, on pourra aller dans découvrir, et découvrir, ça vous permet de créer vos propres Toy-Con, vos propres jouets, quoi. Voilà, voilà. Hop, il y a les options, vibration, oui. Musique. Non. Voilà. Vibration, non. Effet sonore, non. Voilà. Farmés par défaut sont restaurés si vous redémarrez le jeu ou laissez la console en veille plus de 30 minutes. Voilà. Voilà, voilà. C'était tout pour ce soir. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je vais aller ranger ce petit truc. On va aller ranger tout ça le 28 août, Monster Hunter. Okay. Voilà. On va aller ranger tout ça. Vibration max. Moi, je veux que ça vibre. Fais-moi vibrer. Tac. On va ranger ça là. Et moi, je vais essayer de ranger ça à un endroit où ce soit pas accessible par le chat. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Mais les vibrations. Mais non, c'est juste sur la truc. Le jeu en lui-même, ça va pas vibrer. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. On se revoit de toute manière jeudi. Peut-être mercredi soir pour la suite de la construction. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne nuit et à la prochaine. Ciao. C'est pas ça.